Très sincèrement, les choix de joueurs, côté fait, Islem devait rentrer, Edem Nunes devait rentrer, Amoura devait rentrer, Fares Chaibi devait rentrer. Peu importe le score, ils auraient eu leur temps. Bah, après, c'est une question de timing, ça dépend des circonstances du match, mais ils allaient effectivement rentrer. C'est vrai qu'avec, pour être très honnête, avec les deux buts de Bredad, on voyait qu'ils ne se faiblissaient pas. Si on n'avait pas un but d'avance en leur faveur, et ben peut-être que Islem sur ce coup ne serait pas rentré, mais les autres, voilà, les circonstances du match ont fait qu'on a pris un maximum de risques en jouant qu'avec un véritable milieu de terrain qui était Ramiz Zerouki. Et voilà, on a acculé cette équipe-là qui a beaucoup, beaucoup couru, beaucoup défendu. Inhabituellement, elle a joué avec une défense à 3. Je sais qu'elle l'a déjà fait très, 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 très rarement. La seule fois qu'ils l'ont fait, c'est contre le Togo. Je sais qu'il avait préparé comme ça en match amical, ça nous avait donné quelques indications. Moi je dis, c'est dans la douleur, la souffrance, mais c'est comme ça qu'on a été, à un moment donné, on a obtenu nos succès dans le passé. Rien nous a déjà été servi sur un plateau. Tout ce qu'on a fait, on a été le chercher nous-mêmes, envers et contre tout le monde.